le système judiciaire divin, les plus grands salopards font l'objet d'un traitement particulier. À Armageddon, unité spéciale, l'ange de l'Apocalypse règle les comptes. Voici leur jugement dernier. Votre nom ? Tamerlan. Commencez pas à insulter la mère que je n'ai pas, je vous ai demandé votre nom. Tamerlan, c'est turco-mongol. C'est possible ça ? Ouais, c'est mi-yourte, mi-kebab. Ouais, ça y est, je vous ai là. Ouais. Ouais, quand même, hein. 100 000 morts à Delhi en 1398. Vous vous rendez compte du nombre de nains qui connaîtront jamais leur fromage à cause de vous ? Mais ça, c'est pas moi, ça. Enfin, si, c'est moi, mais c'est ma femme. Elle arrête pas de me stresser à la maison. Arrête pas de crier Tamerlan, enculé ! Tamerlan, enculé ! Tamerlan ! Mais moi, quand je suis stressé, bah, je bute des hindous. Oui, d'accord, mais 100 000. Et combien de déplacés ? Combien de familles, là, qui sont obligées de vendre des roses à Dazalo ? Je vous le dis, c'est ma femme, ça. Elle me dit, ouais, si tu ramènes du poulet tikka, tu gagnes. Si tu me ramènes du riz, tu perds. Du riz, tu perds. Ouais, c'est un jeu que j'ai inventé pour la calmer. Il y a même dégage. Ouais, bah dégage, justement. Ah, mais s'il vous plaît. Ok, j'ai pas bien géré, d'accord ? J'ai pas bien digéré le poulet tikka. Eh, ça me colle au bite, cette connerie. Alors, écoutez, pour Ispahan, 50 000 morts, on va vous coller 8 mois au trou. D'accord. Bagdad, 1401. On va vous mettre 6 mois avec Al-Baghdadi, vous allez voir, c'est un con. Ah bah si, c'est un con. Et pour Delhi, bah ça doit être un délit, ça reste quand même un crime. Vous allez aller vendre des marrons à Gare du Nord, ça va vous faire du bien. Tamerlan, foiré ! Putain, même morte, elle me suit, mais elle me casse les Béchiktas, j'en peux plus d'elle, j'en peux plus, j'en peux plus !